journal. Le journal, c'est l'actualité au top niveau. Promouvoir l'excellence en milieu scolaire, gage de développement harmonie et durable de la cité commune, est l'une des préoccupations majeures de la coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune d'Aplakwe. Et très tôt ce vendredi matin, une cérémonie officielle de remise des cahiers de choix aux candidats à l'examen du certificat d'études primaires a vu le jour au siège départemental Koufo du parti de la vague jaune. La coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau d'Aplakwe a décidé d'accompagner cette année nos enfants à travers le don des cahiers de choix. Et nous avons devant nous près de 6000 cahiers de choix qui seront distribués dans toute la commune d'Aplakwe, où nous avons environ 3405 candidats répartis dans toutes les écoles publiques comme privées de la commune d'Aplakwe. Nous avons décidé également d'accompagner quelques arrondissements des communes sœurs. Je voudrais, ici présent, dire merci à tous les militants de l'Union progressiste de Renouveau qui ont œuvré pour que nous en soyons là ce matin. Et je voudrais seulement rassurer les parents que ce don ne va pas s'arrêter à cette année de seuil. On va poursuivre. On le fera encore l'année prochaine. On le fera encore après l'année prochaine. Et ceci pour le développement de nos communes. Et je voudrais également rassurer les enfants. Ils n'ont qu'à bien travailler. Ils n'ont qu'à bien étudier pour le bonheur de leur famille. Après cette première étape de la remise officielle des cahiers au chef d'arrondissement, le député Richard Alosson, accompagné du maire Bassim Alosson-Bé et toute sa suite, ont décidé de descendre dans certaines écoles de la commune pour la phase effective de l'opération. À l'arrivée, voici la joie qui anime le cœur de ses amis de centre. Davegodui, en passant par Bosokpo, Yewime, Kisamesan, Aplakwe et Lokoba, le constat le même. Qui est le président de l'Assemblée nationale? Monsieur Louis Daoumou Lagoye. Un banc pour elle. Une démarche noble et édifiante qui ne se trouve pas à sa première édition. Enseignants, parents et bénéficiaires reçus à notre micro, nous dirons que leur satisfaction est à son comble. De tous les candidats de la commune d'Aplakwe, nous vous remercions pour ce cadeau. Nous promettons réussir à notre examen CP 2024. Ce cahier permet aux enfants de ne plus dépenser de l'argent pour payer encore de cahiers. Mais ces sommes vont être utilisées pour d'autres fins. Je suis très ravi, très content de cet événement et je sollicite que ça soit pérennisé tel qu'ils sont en train de le faire. C'est à fixer, c'est à encourager. Mais que ce n'est pas facile à quelqu'un de mettre la main dans la poche et dépenser. Les enfants, les êtres matures, ils ont aussi. La vie apporte un peu cela pour qu'il puisse faire de grands progrès. Vivement que l'éternel Dieu puisse accompagner cette belle initiative pour l'atteinte des objectifs. Le journal. Le journal, c'est l'actualité au top niveau.